tout un tas de surprises. Il y aura notamment ça en ouverture de concert, Billy Cobham et John McLaughlin qui ont accepté de faire un duo. Bien le reste, il faut aller sur Internet, il faut regarder la TV, voir un petit peu les journaux. Parce que chaque jour, il y a quelque chose de neuf, quelque chose de frais qui vient se rajouter. Alors, c'est un petit peu le défaut de mon ancien métier de cuisinier, c'est-à-dire de rajouter des épices et des plats et qui donnent des fois des trucs, pas indigestes, mais un petit peu longs. Mais je crois que cette année, on tient bien la barre. On a décidé d'avoir que deux groupes par soir, ce qui fait qu'on a la garantie de voir la vedette avant minuit et de pouvoir, cas échéant, rentrer chez soi. Pas à des heures du petit matin. Le Montreux Jazz Café présente une quantité de groupes dont certains auraient pu remplir le Stravinsky. Et ça, c'est un point très important de Montreux, c'est que si vous n'avez pas de billets, ou bien pas d'argent pour en acheter, il y a encore des billets pour tous les concerts, il ne faut pas vous en faire depuis midi à 5h du matin. Il y a des divertissements, il y a de la musique, il y a des workshops, des présentations historiques de vidéos de Montreux. Et tout ça, c'est gratuit, et tout ça, c'est dans les environs immédiats de la Maison des Congrès, dans les jardins.